very talented defender. Unfortunately, Julian Bianconi picked up a serious knee injury, which is ruling him out for the season. Il soit dans une extension et quasi une hyper extension max, c'est possible en fait. Après la flexion, souvent ça suit. On la bosse, mais moi j'insiste pas trop, en tout cas dans mes rééducations. On esquive pas le pas, mais autant de temps d'appui sur la droite que la gauche. C'est là qu'on passait le plus clair de notre temps. Lui, quand il terminait ses entraînements, nous, quand on se rejoignait, ça parlait ici, ça mettait du son. On avait la vue qui était super, super jolie, comme tu peux voir. Meilleur ami, bon, il vient un peu me voir avant l'opération, ça va me faire du bien aussi. Là du coup je vais enlever le cataplasme d'argile, donc ça permet de... Ça permet quoi exactement Martin? Anti-inflammatoire. Voilà. Ça permet, là je l'ai gardé toute la journée, j'ai pu un petit peu marcher avec, j'ai rien senti au niveau du genou. Donc là on va l'enlever avant que Martin manipule simplement avec de l'eau froide. Attends, c'est les 3 points. Il y a encore des petites zones d'œdème là sur l'interligne articulaire, mais globalement ça va, le cul-de-sac qui s'est bien drainé, le cul-de-sac quadricipital. Bah, après la diminution de l'œdème permet forcément un gain d'amplitude, donc c'est bien, c'est de bonne augure. C'est apaisant en fait. Le chewing-gum, tu vois, je suis bien installé, tout ça, mais ça c'est chez moi. C'est là où je me sens bien. Ça me requinque et ça me met dans un bon mood, on va dire, avant l'opération, ça, parce que j'apprends un peu et tout, et ça me fait du bien. Je me pose et je me dis que y a toujours. C'est la pire quand même, pas la chose pire. Donc ça fait du bien. Alors là, on vient de partir de la maison à Aix pour aller voir le nouveau centre de formation de Aix Monaco. C'est quoi ça? Enlève-moi le truc, là je suis trop petit, enlève-moi le truc de basket, que je n'en fais pas de basket ici. Ça c'est ce que j'ai confisqué. Ouais, prends-le, c'est grand. Voilà, bravo. Ouais. Dis-toi une chose, c'est que moi c'est mon seul trophée de toi. Ah
Raconte comment j'ai fait ça. Comment t'as... J'étais pas moi. Scolarité, monsieur s'énerve, c'est ça? Monsieur s'énerve et défend son casier de scolarité. C'est ma première tout court, hein, quasiment. J'ai quasiment jamais raté de match ou d'entraînement à cause d'un pépin, quoi. Ouais. Des fois, des fatigues, mais ouais, rien t'as de... T'as eu de blessure avant, non, du tout. La première, j'ai commencé direct. Là, on vient de sortir de la Diagonale, donc le nom du nouveau centre de formation de Monaco. J'ai vu tous ceux avec qui j'étais quand j'étais petit, avec qui j'ai grandi, ceux qui m'ont mis un peu la misère quand je faisais des bêtises. Je pense que c'est super important de faire ce genre de petits trucs là quand il se passe ça, et je suis juste trop content en fait, ça m'a fait plaisir. Là où je me suis entraîné moi aussi. Je vais voir Frédéric Barilaro, mon coach que j'avais en U19. Celui qui m'a mis au poste d'arrière droit, celui avec qui je suis passé directement avec les professionnels, allez. Et l'un des formateurs qui m'a le plus aidé pendant ma formation et avec lequel j'ai gardé des liens forts, et ça me fait plaisir de le voir et de lui parler. Ouais, 6 mois. C'est qu'il a fini la saison. Ouais, le coach il a annoncé ça en tout cas. Après, si vraiment je travaille bien, ouais, peut-être je pourrais. Janvier, février, mars, avril, mais c'est bon, t'as fini. Ça sert à rien, tu vas pas revenir. Bah, c'est ce que je disais. Si vraiment je travaille super bien, peut-être faire les quelques derniers matchs dans le groupe, être présent, mais si. C'est je pense pas que ce soit très utile. Fin mai, 28 mai, quelque chose comme ça. Je serai pas prêt. Il faut que tu prennes ton mal en patience. Pas le choix, toi. Ouais. Non, je le trouve comme un nouveau challenge, quoi, un nouveau défi. Hein. Essayer de faire au mieux pour revenir en forme. On est à l'aéroport de Nice. On va enregistrer pour Munich, Nice-Munich. Munich, on aura un van qui nous attend pour nous emmener à Innsbruck, en Autriche. On est parti pour une grande et longue aventure, je crois. Et toi? Je suis d'accord avec toi. Voilà, on est parti. J'avais envie de vomir et tout, c'était un peu horrible. Bon, ça va, c'est passé là.